Salut les touristes, donc ça faisait déjà quelques temps dans une précédente vidéo que je vous avais parlé de ce petit boîtier qui est un mini booster de batterie. J'ai eu l'occasion de m'en servir plusieurs fois sur diverses voitures, des 205, la 2 chevaux, et puis je sais plus encore. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester sur vraiment des gros moteurs où il y a des gros tirages, mais là je suis sur la 2 chevaux et voilà, je vais vous montrer comme elle roule pas beaucoup. Là, je mets le contact. Voilà, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc bon, là, deux choses pour vous montrer, c'est voilà, c'est pas ce qui tire le plus en batterie, mais c'est l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Donc hop, je branche. Une main, c'est pas évident. Donc je vais brancher déjà sur la batterie. Donc les bornes. Et maintenant, je vais brancher le boîtier. Voilà, je vais le brancher à cette prise là. Je vous pose deux petites secondes. Voilà qui est fait. Hop. Donc voilà, le boîtier est là, il est branché. Je vais l'allumer. Donc là, il me dit qu'il est chargé à 100%. Et du coup, maintenant, on va aller démarrer. On met le contact et voilà, donc je vais pouvoir mettre un petit coup de starter. Alors normalement faut pas insister plus de 6 secondes je crois, c'est dit dans le manuel, et voilà. Alors, c'est normal, elle est froide et puis ça fait un moment qu'elle a pas tourné. Petit coup vraiment vraiment pas cher, donc je vous le recommande, franchement c'est super et ça dépanne surtout en cette période. Si ça dépanne pas vous, ça dépannera d'autres personnes. Vous allez voir pour vous montrer, voilà. Et puis en même temps ça fait batterie externe, donc si un jour vous êtes en galère de batterie de téléphone portable, vous avez plusieurs ports. Et vous avez même un port pour brancher aussi avec plusieurs embouts. Vous avez plusieurs embouts dans la boîte. La boîte qui est là. Là, ça se présente comme ça. Vous avez le chargeur secteur. Le chargeur allume-cigare aussi pour recharger ce boîtier. Et vous avez, voilà, le petit cordon qui est là. Et tous les embouts. Et donc vous pouvez régler le voltage du coup. Hop, je vais vous montrer, je l'allume. Voilà, la sortie, cette sortie là est en 12 volts, comme on le voit en bas. Là 16 volts, 19 volts. Donc franchement, je trouve ça super pratique. Même pour un ordinateur portable ou autre, ça peut vous dépanner vachement en cas de besoin. Donc je mets le lien en description. Après il y a la torche aussi, bon c'est un petit peu, je sais plus comment on fait pour la faire marcher elle, je sais même plus. Voilà, on reste appuyé, bon, ça ferme pas, mais voilà. Donc voilà, c'est un petit boîtier moi que je vous recommande d'avoir sur vous, enfin dans votre véhicule. Ça dépanne vachement. Et vous voyez, 13 600 mAh. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.